Dans cette vidéo, frérot, je vais vous parler des scores exacts et comment faire pour les valider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle analyse? Comment analyser pour valider mes scores exacts? Et comment être plus malin quand nous avons une idée, une proposition des scores exacts? Alors, je veux tout expliquer dans cette vidéo. On va prendre pour exemple ces petits combinés de 3 matchs. Vous allez vous rendre compte que pour le match de Liverpool et Sheffield, j'ai validé les scores exacts de 3 buts à 1 et la cote était de 9.5. Pour le match de Granada et Valencia, j'avais aussi validé ces scores exacts, mais pour le dernier match, j'ai pas pu valider ses scores exacts. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment être plus malin quand tu veux jouer au score exact. Avant d'entrer dans les détails, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te recommande bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que tu ne puisses pas manquer de mes prochaines vidéos, de mes prochaines astuces qui pourront te permettre de générer de l'argent, peu importe où tu te retrouves. Et aussi, j'ai un canal Telegram, frérot. Alors si tu veux rejoindre mon canal Telegram, m'écris dans le commentaire, je veux rejoindre ton canal Telegram et je veux t'envoyer le lien de mon canal Telegram. Là-bas, je partage de très très belles pronostics qui pourront te permettre de générer de l'argent peu importe où tu te retrouves. Et si tu n'as pas encore un compte de jeu, que ce soit sur Melbet, un Xbet, un Win ou 888 Stars, je te recommande d'utiliser le code promo AHBRO, un code promo qui va te permettre d'avoir plusieurs bonus et avantages. Alors, sans plus tarder, on va directement entrer dans les détails de notre vidéo. Alors, on va prendre un match comme exemple pour voir comment analyser les scores exacts et miser dessus. Alors, on va prendre menu. Alors, une fois ici, on va prendre Ligue des Champions. On peut prendre le match de Arsenal et Bayern. Alors, pour ce match ici, on va essayer un peu d'analyser le score exact. Qu'est-ce qu'on pourra miser pour atteindre notre score exact? C'est vrai, premièrement, dans l'application, il y a certaines stratégies qui nous permettent de découvrir, pas vraiment avec certitude le score exact, mais avec une certaine précision, le score qu'il pourrait avoir dans un match. Parce que la personne qui dit qu'il valide le score exact chaque jour, moi en tout cas, je trouve que c'est un menteur. Parce que c'est pas facile de valider le score exact chaque jour. Premièrement, parce que dans le match, il y a beaucoup de surprises. Et deuxièmement, c'est le foot et il y a beaucoup de surprises. Donc, on ne saura pas valider avec certitude les scores exacts, mais j'ai une méthode qui pourra te permettre de générer de l'argent quand tu aimes les scores exacts. Alors une fois ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va chercher bien sûr la partie score exact. En recherche, la partie score exact se retrouve ici. Alors on déroule. Alors une fois ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher la cote la plus basse, la cote la plus faible parmi toutes les cotes ici. Alors il y a certaines propositions. On va commencer ici. On commence ici. Donc, Arsenal puisse marquer 2 buts à 1. Vous allez vous rendre compte que si la cote est de 7.5. Pour moi, c'est la cote la plus bas. À part ça, il y a aussi la cote de 1 but partout. Alors, une fois que nous avons localisé la cote la plus bas, qu'est-ce que nous allons faire? Tu vas entrer dans l'application qui te permet de vérifier des scores exacts. Alors, moi, je me retrouve directement dans la petite application. Alors, si toi, tu n'as pas cette application et que tu aimerais la voir, tu n'as qu'à m'écrire dans le commentaire c'est quoi le nom de l'application. Directement, je t'envoie le lien de l'application. C'est une application que tu pourrais retrouver facilement sur Play Store ou App Store. Alors, on va rechercher d'abord le match. Le match va se jouer demain. Ici, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas encore partagé les pronostics de demain. Parce que le match que je vous ai présenté, ce sera un match qui va se jouer demain. Alors, on peut se prendre un pronostic d'aujourd'hui. On peut prendre le match de Udinese et Inter Milan. On va changer de match. Alors, on va entrer dans Serie A. Alors, on va prendre ces matchs ici. On vient de changer les matchs. Alors, on prend ces matchs. Alors, comme je vous avais dit, on va localiser où se retrouve la cote la plus bas. Alors, on clique sur score exact. Un but partout. 7.5. Nous avons ici la proposition de Inter Milan puisse marquer 2 buts à 1. Et la cote est de 7.5. Elle est la plus bas. À part ça, il n'y a pas de cote le plus bas. Une fois que nous avons localisé la cote la plus basse, on va directement entrer dans notre application des scores exacts. Donc, il y a deux cotes le plus bas. Il y a la cote de 7.5 et ici qu'un temps maintenant puisse marquer un but. Donc, il puisse gagner un but et ici la cote elle est de 6.5. Alors, une fois qu'on a localisé, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous avons notre application des scores exacts, comme moi, je vous ai dit, si vous avez besoin de cette application, écrivez-moi dans le commentaire et je vais vous envoyer le nom. Dans notre application, il nous propose que Inter va gagner 3 buts à 1. Comme nous avons une idée qu'Inter va gagner 3 buts à 1, parce que souvent avec les scores exacts, frérot, écoutez bien, c'est pas facile de valider les scores exacts. Premièrement, dans le pari sportif, quand tu es en train de miser, la première des choses que tu dois t'assurer quand tu prends une mise, c'est de conserver ton capital. Que tu ne puisses pas perdre ton capital bêtement parce que tu es avare et que tu as envie de gagner plus. Non. Alors, une fois que nous avons le notre cote la plus basse, qu'est-ce que nous allons faire? Oublions les scores exacts. On va entrer dans total.
un total de qui se retrouve ici. Donc, on va prendre qu'Inter puisse marquer 2 buts dans le match. Pourquoi? Parce que la cause la plus basse qu'on a remarqué quand on est en train de vérifier le score exact, on va se rendre compte que on avait vu qu'Inter puisse marquer 2 buts à 1 comme Inter dans le match. On a prédit qu'il puisse marquer 2 buts à 1. On peut prendre la cote ici de 1.54. À part ça, dans notre application des scores exacts, là, ils ont prédit que Inter puisse marquer 3 buts à 1. Alors ici, tu vas te rendre compte que si tu prenais la partie, Inter va gagner 2 buts dans le match. C'est un très bon cote. La cote est de 1.54. C'est une cote qu'on peut valider facilement et qui va te permettre de conserver ton argent et de gagner de l'argent quand tu es en train de miser dans le score exact. Alors, c'est la petite astuce que je tenais à te partager aujourd'hui. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Si tu as des questions, des préoccupations, frérot, n'hésite surtout pas à me les écrire dans le commentaire. Et toi, si tu n'as pas encore un compte de jeu, que ce soit sur Melbet, un Xbet, un Win ou 880, Stars, je t'encourage fortement à utiliser le code promo HBRO, un code promo qui va te permettre d'avoir plusieurs bonus et avantages. Voilà, c'est déjà la fin. Et moi, je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.